Bienvenue dans l'exercice Mathmala. Au menu du jour, multiplier les nombres entiers et décimaux. Pourquoi ? Eh bien, dans la vie de tous les jours, ne serait-ce que pour savoir si on a assez d'argent pour acheter 10 croissants le dimanche matin. Premièrement, savoir poser les multiplications. Réussir une multiplication, c'est savoir la poser. Et c'est tout. Alors, comment faire ? Eh bien, premièrement, repérer l'unité de chaque nombre. Je rappelle, l'unité d'un nombre entier, c'est le dernier chiffre à droite, et l'unité d'un nombre décimal, plus facile à trouver, c'est le chiffre qui est juste à gauche de la virgule. Deuxièmement, poser la multiplication en colonne, un chiffre, un carreau, et en s'assurant bien que les unités sont sous les unités. Exemple, 34,62 fois 86. Donc premièrement, je recherche les unités de chacun des nombres. Donc ici, j'ai une virgule, donc l'unité se trouve toujours à gauche de la virgule. Ici, l'unité c'est 4. Et dans le 86, c'est le dernier chiffre, donc à droite du nombre, c'est-à-dire 6. Deuxième étape, je les place dans mon tableau. Un chiffre, un carreau. Eh bien, les unités sous les unités. Donc, et je ne m'occupe pas de la virgule. Hein. Pour l'instant, je n'en ai rien à faire. Je les pose. Voilà comment je les pose. Lui, donc, c'est l'unité, donc je vais mettre le 6 sous le 4. Et voilà, c'est gagné. Il ne me reste plus qu'à faire l'opération. Bien sûr, pour cela, il faut que je connaisse mes tables de multiplication par cœur. Alors, j'ai effectué le calcul, sans m'occuper de la virgule, bien sûr. Et donc, attention, pour finir, on regarde combien on avait de chiffres après la virgule, bien sûr. Et donc, dans notre multiplication, combien on avait de chiffres après la virgule ? On en a 2. Là, on a 2 chiffres après la virgule. Donc, je vais en retrouver combien dans le résultat ? Eh bien, je dois en retrouver 2 également. Le résultat de 34,62 fois 86 est donc 2977,32. Attention, une nouvelle fois, avant de poser une multiplication, vérifiez bien que vous avez enlevé les zéros inutiles. Deuxièmement, multipliez par 10, 100, 1000, etc., etc. Alors, pour multiplier par un multiple de 10, car ce sont des multiples de 10, c'est très simple, vous allez voir. Premièrement, je réécris le nombre. Donc là, on a l'exemple, 350 fois 100, je réécris 350. Deuxièmement, je rajoute autant de zéros qu'à mon multiple de 10. Ici, on est bien d'accord, il y a 2 zéros, donc je rajoute 2 zéros. Et troisièmement, je rajoute la virgule à la fin, si c'est un nombre décimal, bien sûr. Donc là, je vais bien le réécrire. 350 fois 100 est égal à 35 000. Troisièmement, multiplier par 0,1, 0,01, 0,001, etc. Eh bien, c'est pratiquement la même méthode que tout à l'heure. On va voir ça. Exemple, 23,07 fois 0,001. Premièrement, je réécris le nombre, sans m'occuper de la virgule, puisque nous avons affaire à des nombres décimaux. J'écris mon nombre. Je rajoute autant de 0 qu'à mon multiple de 10. Ben ça, bien sûr, on saute cette étape, puisque nous n'avons pas de multiple de 10. Donc, la troisième étape de tout à l'heure devient la deuxième. Je rajoute la virgule à la fin si c'est un nombre décimal. Ah oui, ça l'est forcément, puisque c'est par 0,1, 0,01, etc. Donc, je compte mes nombres décimaux dans la multiplication. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'en ai 5, donc dans le résultat, je devrais en avoir 5 aussi.
1, 2, 3, 4, 5. Et la virgule est ici. Ah ! Espace vide. Qu'est-ce que je fais ? Bon, vous l'aurez compris, en mathématiques, pratiquement à 100%, les espaces vides sont remplacés par des zéros. D'où, attention à la troisième et dernière étape, et je rajoute des zéros si nécessaire, mais pas à la fin, bien sûr, puisqu'on a vu qu'à la fin, on peut rajouter autant de zéros qu'on veut. Donc, bien au côté droit de la virgule. Donc là, je mets 0, et l'unité, bah, ça va être 0 également. Donc, 23,07 fois 0,001 est égal à 0,02307. Alors Eric, combien de temps ce cours ? Moins de 6 minutes par personne. Waouh ! C'est court ! Alors tu vois Eric, réussir en maths, oui, c'est possible. N'oubliez pas de mettre un like, et si vous voulez des exercices correspondant à ce cours, cliquez sur le lien sous la vidéo. Et abonnez-vous! À bientôt sur Exercice Maths Malin.